ensemble, nous partons de pèlerin et marchons ensemble. Alors, c'est un refrain que nous prendrons pendant la marche. Marie nous mène à Vassivière. Instant très pur et très précieux. Marie nous mène à Vassivière. Instant très pur et très précieux. Comme un profond regard, le regard d'une mère. Le bâton du pèlerin. Ce bâton a été tiré d'une pousse d'arbre qui a grandi sur notre terre. Il est le fruit de la création, rencontre du minéral, du végétal et de la vie. Une alchimie qui nous en dit déjà beaucoup sur notre propre origine. Mais ce bâton a été coupé de ses racines par la main de l'homme. Instant très pur et très précieux, comme un profond regard, le regard d'une mère. Notre-Dame de Vassivière, veillez sur nous. Notre-Dame de Vassivière, protégez-nous. Notre-Dame de Vassivière, veillez sur nos jeunes et sur nos malades. Vierge de Vassivière, étends sur nous ton bras. Sois toujours notre mère, guide et soutiens nos pas. Guide et soutiens nos pas. Marie nous mène à Vassivière. Instant très pur et très précieux, comme un profond regard, le regard d'une mère. Quitter sa vie ordinaire pour retrouver ce qui peut être l'extraordinaire d'une vie. Replacer le Seigneur au centre. Se décentrer de soi pour remettre les choses, les valeurs dans le bon ordre. Nous venons chacun avec notre propre histoire, nos propres soucis. Nos propres demandes. Nous existons par le nom que nous portons et que d'autres avant nous ont porté. Ceux-là, parfois, ont consacré leur vie ou une partie d'elle au Seigneur. Certains, jusqu'au don de leur sang. C'est le fameux cortège des saints. Accueillons en pèlerin la bonne nouvelle dans l'évangile de Jean. C'est Aurélie qui nous lira ce passage. Ne soyez donc pas bouleversés. Vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Dans la maison de mon Père, beaucoup peuvent trouver leur demeure. Sinon, est-ce que je vous aurais dit, je pars vous préparer une place. Quand je serai allé vous la préparer, je reviendrai vous prendre avec moi. Et là où je suis, vous y serez aussi. Pour aller où je m'en vais, vous savez le chemin. Thomas lui dit, « Seigneur, nous ne savons même pas où tu vas. Comment pourrions-nous savoir le chemin ?» Jésus lui répond, « Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne va vers le Père sans passer par moi. » Puisque vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Philippe lui dit, « Seigneur, montre-nous le Père, cela nous suffit. » Jésus lui répond, « Il y a si longtemps que je suis avec vous
Et tu ne me connais pas, Philippe ? Celui qui m'a vu a vu le Père. Saint-Loup et Saint-Laurent, priez pour nous. Saint-Nectaire et Saint-Vodime, priez pour nous. Saints et saintes de Dieu, priez pour nous. Tous les saints apôtres, priez pour nous. Les évangélistes, priez pour nous. Martyrs de tous les temps, priez pour nous. Missionnaires de nos paroisses, priez pour nous. Acteurs dans nos églises, priez pour nous. Baptisés de tous les temps, priez pour nous. Montre-toi favorable, délivre-nous, Seigneur, de tout péché, de tout mal, Seigneur, de la mort éternelle, délivre-nous, Seigneur, par ton incarnation. Délivre-nous, Seigneur, par ta mort et ta résurrection. Délivre-nous, Seigneur, par le don de l'Esprit Saint. Délivre-nous, Seigneur, nous qui sommes pécheurs, de grâce écoute-nous. Et tout proche de vous, Christ, livré pour nous. Sois toujours notre les